Ah, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'essaie ceci. Une enceinte nomade de toute petite taille qui tient dans la paume de la main. Elle est en promotion dans les magasins U du 16, 17 et 18 juin 2022. On va la tester pour voir si ça vaut le coup à moins de 20 euros. Une enceinte Bluetooth, mais pas que. Je vous montre. Ici, il y a une petite trappe qu'on relève. Petite trappe étanche, car cette enceinte, elle peut aller dans l'eau. Si tu l'as fait tomber dans la piscine, il n'y a pas de souci. Tu peux la récupérer rapidement, c'est mieux. Moins de 30 minutes et moins d'un mètre de profondeur. Sur cette enceinte, il reste une sortie jack où on peut brancher son iPod pour écouter sa petite playlist de 2002 téléchargée sur Emule. Voilà, on a l'orifice pour la charge. Vous branchez le câble qui est fourni avec, on le branche sur USB, sur un petit chargeur universel, sans problème. Autonomie 5 heures de la batterie. En sachant que factuellement, c'est plus, j'ai pu tester. À 75% du volume, j'ai réussi à avoir un 7-8 heures d'autonomie. C'est vraiment impressionnant. Vous avez un témoin blanc ici pour la batterie en bon état de marche. Quand elle est faible, rouge. Et quand elle charge, bleu. Sur la face du haut, nous avons un bouton power, un bouton Bluetooth qui permet d'appareiller votre téléphone, iPad ou Tutti Quinti. Plus, moins, pause. Simple, efficace. Ce qui est pratique, c'est-à-dire tu as la musique un peu fort, le petit bébé, il pleure, pouf, tu fais pause et il n'y a plus de musique. Je remets play. Si j'y arrive, hop. On peut monter le son. Et là, il y a un petit bruit qui te dit, vous voyez, je suis au max de l'enceinte. Et après, je peux monter via mon téléphone. Encore de la marge. Et franchement, je le trouve très clair. Un peu de basse. Pas mal, hein? Je monte un peu. Un son vraiment appréciable, je trouve étonnant pour la taille et par le prix, qu'on a autant de richesse dans le son. T'es en train de faire du jardin, tu peux. T'es à la plage, tu peux. Tu la mets partout, quoi. Et si jamais elle tombe dans la pistoche, c'est pas grave. Tout de suite, je vous transmets un témoignage d'un utilisateur de cette enceinte. Bonjour, Jean-Eude de chez Carglaf. Je me déplace sur la route tous les jours pour aller voir mes clients et je n'ai plus de musique car les enceintes de ce fourgon essoré par la vie sont décédées. J'ai la solution, cette petite enceinte. Et ça remplace correctement mes enceintes que je n'ai pas dans le fourgon. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a convaincu. Prise de place, c'est quasiment similaire. Ça va dans une poche, ça va aussi dans une poche. Et en fait, on a un son qui n'a rien à voir. Là, on n'a rien et là, on a quelque chose de très bien pour la taille. Je suis vraiment convaincu de cette enceinte. Pour moi, il manque une toute petite chose, mais je pense que c'est une question de place. Vous voyez, il y a le pause, mais on ne peut pas changer la musique. Peut-être là, à 40 euros, c'est complètement ouf. À 20 euros, c'est une dinguerie. On fonce, on y va, c'est parti. Pour un nouveau test sur Teste-moi si tu peux, on se dit à très bientôt. Ciao.